Les gens, comment allez-vous? Alors il y a eu une grosse pluie, regardez. Ça baigne de partout. Ne vous inquiétez pas, mais mes baskets sont waterproof. Donc j'ai bien fait de sortir plus tard. Il est quelle heure? 18h06. Je suis sorti avant. Forcément, je serais bien mouillé. Mais bon, j'ai une bonne veste. Vous voyez, j'ai une bonne veste. Capuchon. Moi, je suis au sec. Hein. Tout, hein. Pieds, tout. Les pantalons aussi. Vous voyez, les pantalons de l'armée de je sais plus où, là, vers l'Inde. Vous voyez, donc c'est. C'est bon, moi, je suis équipé. Hein. Et puis là, ben. J'allais faire ma tournée de bus. Ce qui est bien, c'est que j'ai déjà gagné cet après-midi de quoi manger demain à midi. Et je pourrais appeler ma mère sans être stressé. Voilà quoi. Ça, j'apprécie. Voilà. On peut voir comment c'est mouillé. De chez mouillé. Bon, généralement, quand il y a une grosse averse comme ça, après, il n'y en a plus. Mais on sait jamais. Hein. C'est pour ça que moi je sors tout le temps équipé. Hein. Voilà. C'était pour vous montrer un petit peu la saison des pluies ici à Arequipa, c'est quand même assez violent. Hein. C'est, le ciel il nous pleure dessus, il nous pisse dessus. Hein. Non voilà quoi, c'est assez. Voilà. Nettoyer son trottoir. C'est étonnant, mais. C'est pas nous qu'on ferait ça en Europe. C'est les éboueurs, les balayeurs. Ils sont très propres, les Arequipeños. Ils aiment pas la saleté. Pour ça, ils ressemblent à nous autres, les Suisses. Voilà quoi, ils sont propres. Propres à ordonner. Vous voyez? Voilà quoi. Ouais, 2 minutes et quelques. J'ai jamais trop de mémoire moi dans mon smartphone donc moi je vais vous laisser. J'ai déjà montré mieux ma veste. Ce qui fait un petit peu froid. Forcément un peu. Voilà. Et puis je vous montre encore une fois ça. Regardez-moi ça quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gris en fait au bout des rues. Voilà, vous la voyez pas, mais il y a des grilles. Parce qu'effectivement, c'est hyper. c'est violent. Hein. En Suisse, ça arrive des pluies comme ça, mais pas souvent. Quoi. Enfin, il y a des saisons. Hein. On appelle aussi la mousson, mais. Voilà quoi. Voilà, vous voyez un petit peu. Il pleut ici, il pleut, hein. C'est clair, hein. c'est pas de la rigolade. Hein. Mais, je sais pas si c'est une grille en fait au bout de cette rue, je crois pas. Je crois que oui, je sais plus. Mais en général, il y en a partout. C'est obligatoire. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'avoir des égouts. Ils sont obligés d'avoir. À Lima, il n'y a pas d'égout. Il n'y a pas de grille au sol. Donc on tient une. Les tubes qui pètent, ça fout la merde. Et voilà, il y a une grille là-bas. Marche dans l'eau. Allez, il y a des grilles. Allez. Il y a des grilles. Voilà, vous voyez, il y a des grilles. Voilà, ça devient impossible. Quoi. Vous voyez, c'est assez long de vite fait. Voilà quoi. Sans ça, ce serait pire. C'est bien pire. Voilà quoi. Bon, moi, je vais vous laisser attacher les cheveux, mettre mon masque, sinon ça va jaser dans les bus. Hein. Voilà quoi. Juste pour vous voyez un petit peu comment c'est la pluie ici à Arequipa. Allez, peace, à plus.